Le partenariat WAGE, c'est un partenariat international qui vise à financer des projets de recherche sur des questions spécifiques touchant les inégalités sociales et économiques dans l'Arctique circumpolaire et la distribution de la richesse. C'est un partenariat d'une durée de 6 ans et qui est transdisciplinaire, c'est-à-dire que dans cette grande équipe, on va non seulement mobiliser les savoirs savants, les savoirs scientifiques, mais aussi les savoirs qui sont issus de l'expérience, des milieux de pratique, et finalement les savoirs autochtones, les savoirs vernaculaires qu'apportent nos partenaires autochtones au partenariat WAGE. Les principaux objectifs, c'est donc de décrire comment est-ce que s'effectue la distribution de la richesse dans les différentes régions arctiques, de comprendre comment émergent les inégalités économiques et sociales, et surtout de tenter d'infléchir les trajectoires que prennent ces inégalités dans le monde contemporain. Et pour faire cela, on a parmi nos grands axes de recherche un axe qui s'intéresse aux manières institutionnelles d'introduire des changements. Alors, on a donc plusieurs équipes de recherche qui travaillent sur les possibilités, les modalités pour insérer, par exemple, de nouvelles législations, pour insérer ou répandre de bonnes pratiques et ainsi de suite, de manière à infléchir les inégalités. Il existe 3 catégories de membres au sein du partenariat. La première réunit les gens qui sont responsables de la direction des projets de recherche individuels. Alors, ces projets, ces personnes, ce qu'on appelle dans le langage du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, les co-candidates ou les co-candidats sont à peu près au nombre d'une trentaine. On a autant de collaboratrices et de collaborateurs. Ces personnes n'ont pas la responsabilité de la direction intellectuelle ou administrative des projets de recherche, mais ils ont un apport très, très important dans les orientations et dans la réalisation des projets. Enfin, il existe des partenaires institutionnels, des gens qui vont contribuer au projet, soit par des contributions financières ou des contributions en nature. Et on a une vingtaine de ces partenaires qui viennent de 3 sources différentes, du milieu gouvernemental, des ministères, par exemple, des milieux autochtones, comme par exemple le Conseil des Athapascans de l'Arctique, et des milieux académiques, donc des universités comme l'Université Lissimatusarfik de Nuuk au Groenland. Les étudiants sont au cœur du programme. Si on monte un programme de subvention comme celui-là, c'est avant tout pour encourager la formation des étudiants aux études supérieures et des étudiantes. Alors, il y a plusieurs modalités qui permettent aux étudiants de participer au projet. La première modalité, c'est l'intégration des étudiantes et des étudiants dans les projets de recherche. Ensuite, le partenariat offre un programme permanent de bourses d'études, de subventions à la mobilité. Actuellement, on a une partie importante des étudiantes et des étudiants boursiers qui sont d'origine autochtone, la majorité des femmes d'ailleurs. Les étudiants peuvent également participer aux événements qui ont lieu dans le cadre du partenariat. Aux assemblées, aux réunions scientifiques annuelles, aux tables rondes et aux autres événements. Enfin, nous organisons des écoles d'été qui ont lieu sur un modèle que nous connaissons bien, qui a été mis au point lors de la création de l'Université de l'Arctique.